Yo les bros, ici Barry, ici on parle de séries, parfois on parle des films mais c'est rare, parfois on parle des animés aussi mais c'est rare. Alors aujourd'hui on se trouve pour un actu série, ici on parle de l'actualité de vos séries préférées. En ce moment j'ai pas trouvé école, mais bref il y aura plein d'actu séries, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui on va parler de Riverdale, on va parler de Teen Wolf. Ah, ça fait plaisir, ma dernière vidéo sur Teen Wolf là il est à 300 vues, merci à vous, ça fait grave plaisir. On va parler de Teen Wolf, on va parler de Riverdale, il y a un gros truc sur Riverdale. On va parler de The Witcher, vous allez voir, il y a des news de ouf. Bref, juste avant que la vidéo commence, abonnez-vous. Bref, intro! Dès lundi, les collèges, les lycées seront fermés. Dès lundi, seront fermés. Première news, c'est sur The Witcher. Dites-moi si vous avez regardé la série, il n'y a qu'une seule saison qui est sortie sur Netflix. J'ai pas trop kiffé, mais Netflix, c'est officiel, la saison 2 a fini de tourner, ça fait grave plaisir. La saison 2 va être meilleure que la saison 1, enfin, qu'est-ce que les gens disent. Bref, c'est confirmé, la saison 2 de The Witcher va bientôt sortir, enfin pas bientôt, mais le tournage, il est fini. On va dire, les montages, tout ça va prendre environ 6 mois, genre, faut vraiment qu'on attend fin 2021 ou début 2022. Bref, si vous kiffez The Witcher, dites-moi dans les commentaires et je vais essayer de faire plus de vidéos sur The Witcher. Bref, on passe au prochain news. C'est bientôt le ramadan, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ça la news. Bref, le 15 avril, la saison 10 de Walking Dead va sortir. Dites-moi si vous avez regardé la série, j'ai pas du tout encore regardé la série, mais il est grave connu. Dites-moi si vous aimez bien dans les commentaires et je vais essayer de regarder. Mais j'ai essayé de commencer, mais la première épisode dure une heure, genre c'est chaud. Bref, c'est officiel, la saison 10, il y aura 16 épisodes normalement. Bref, on passe direct au prochain news. La chaîne, je parle presque jamais des séries ou des films Disney, alors que il y a des films Disney que j'aime bien, comme Descendants. Bref, on va parler Descendants avec Cameron Boyce et pas plein d'acteurs que je connais pas leur nom. Je suis désolé. Bref, il y a le film 3 Descendants qui est sorti. Enfin, je savais même pas. Je regardais que la 1 et la 2. Et la 2, Cameron Boyce, il était dedans. T'as la 3, je pense pas qu'il va être dedans parce que je pense qu'il est décédé avant. Dites-moi si vous avez regardé, mais bref, c'est officiel. Vous pouvez trouver le film 3 sur Disney+, même si j'ai pas Disney+. Bref, cette news, elle est bien ou... Dites-moi dans les commentaires si cette news, elle est bien ou pas. Bref, on passe direct au prochain news. Vous connaissez la série Teen Wolf, comme j'ai dit, j'avais fait une vidéo sur Teen Wolf, j'aurais jamais pensé. Là, il est à 300 vues. Enfin, je suis choqué. Hein, presque aucun de mes vidéos qui sont à 300 millions. Et ouais, j'ai 300 millions, frère. 300 vues. Mais bref, bref, je sais pas si vous connaissez l'actrice qui joue Kira dans la série. Elle a été victime d'un racisme. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, frère. On est en 2020 et il y a des choses comme ça qui se passent. Bref, comme vous le savez, l'épidémie du Covid vient de Chine, on va dire, et tous les pays asiatiques. Je suis désolé, mais j'étais obligé de couper parce que sinon j'allais dire n'importe quoi. Bref, il y a beaucoup de gens qui accusent les Asiatiques de ramener le Covid dans leur vie, qui a gâché leur vie. Et elle était victime de ça. En gros, il y a une personne qui passait et il a normal dit, toi là, je vais te jouer la bridée avec ton putain de chien. Et oh, c'est une dinguerie, genre, il a foncé sur elle, elle a couru, genre, elle était... C'est horrible, genre, à quel moment, genre, tu penses faire ça? On est en 2021, frère. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que c'est n'importe quoi. On est en 2021, il y a des trucs qui se passent. Bref, on va passer à la news principale parce que voilà, ça a gâché ma journée. Une grosse pause de la part de Riverdale, ça c'est la news principale. Mais bref, le 1er avril 2021, on a eu l'épisode 10 de Riverdale. Si vous n'avez pas encore regardé Riverdale, allez regarder. Bref, après l'épisode 10, il n'y a plus d'épisodes. En gros, il y a une pause, mais la saison, elle n'est pas finie. La série, elle n'est pas finie du tout parce qu'il y a une saison 6 qui va sortir. Mais le problème, c'est que, en fait, les épisodes, d'habitude, les séries Netflix comme Lucifer ou Casa de Papel ou bref, plein de séries, ils sortent toute la saison directement. Mais avec Riverdale, c'était chaque semaine un épisode, mais bref, là tous les épisodes sont finis et faut attendre environ 2022 ou fin 2021. En fait, le problème c'est que le tournage il a commencé en septembre 2020 alors qu'il devait commencer en juillet 2020, et maintenant il doit arrêter toute la série pour commencer à tourner les prochains épisodes. En plus, c'était le futur, c'est très compliqué. En tout cas, c'est un peu chiant parce que je me suis mis à fond dans la série et d'un coup il s'arrête comme ça. Enfin,
ça casse les couilles un peu, mais tranquille. Bref, c'était barré pour parler d'une série ou parler d'un film. On dit peace. Hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.